Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le candidat à la présidentielle 2019, Mohamed Oulcherah Mohamed Ahmed, en réunion avec ses soutiens politiques, une rencontre pour les remercier de leur appui et leur expliquer le partenariat qui devrait les unir. L'incendie du vendredi dernier à El Mina a fait des dégâts matériels et financiers importants. Des centaines de tonnes de produits alimentaires ont été emportées par les flammes. Samedi 16 mars 2019, une journée noire pour les commerçants français. Pillages et incendies de magasins, notamment sur la célèbre avenue des Champs-Élysées. Merci d'être avec nous. Le candidat à l'élection présidentielle de juin prochain, Mohamed Oulcherah Mohamed Ahmed, a rencontré ce soir les leaders des partis politiques qui le soutiennent, de la majorité comme de l'opposition. La réunion a permis un échange rapide avec le candidat sur les questions majeures qui feront l'objet de discussions plus approfondies à l'occasion des prochaines rencontres à programmer. Ces questions portent notamment sur deux points. D'abord, le partenariat entre les partis et le candidat, puis la coordination des actions à mener dans la perspective de la prochaine échéance. Le président du parti El Karama a déclaré à l'issue de cette réunion que le candidat était venu féliciter les formations politiques qui le soutiennent au niveau de la coalition de la majorité et en dehors de celle-ci, dans l'opposition, comme le parti ADEC. Cheikh Naoul Hajbou a précisé que le candidat leur a expliqué le partenariat qui devrait les unir dans le cadre de l'action politique et électorale à mener. Les partis présents ont de leur côté apprécié à sa juste valeur ce geste qu'ils qualifient d'initiative louable du candidat. L'heure est au bilan, deux jours après l'incendie qui s'était déclaré dans des magasins d'entreposage de produits alimentaires à El Mina. Le sinistre a provoqué des dégâts matériels et financiers importants. C'est un court-circuit à l'intérieur d'un magasin de produits alimentaires qui en serait la cause. Reportage de CRCDB. Trois jours après, les magasins présentent encore les stigmates du sinistre. Les murs sont calcinés, le plafond du hangar a volé en éclats, les barres de fer déformées sous l'effet des flammes. Le sol est complètement mouillé et présente par endroits des flaques d'eau, de l'eau utilisée probablement par les pompiers pour éteindre le feu. Ces magasins servaient de dépôt de produits hétéroclites, couvertures, ventilateurs, du bois et des planchers, ou encore des produits cosmétiques pour ne citer que ceux-là. Quelqu'un m'a appelé à 16h. Elle m'a dit que l'incendie a commencé vers 13h30. Les sapeurs-pompiers sont arrivés tardivement. Entre-temps, la police est arrivée et a dispersé les attroupements qui commençaient à se former sur le lieu de l'incendie. Le feu s'est réparti dans un atelier de soudure. L'ouvrier est allé à la prière du vendredi sans prendre les moindres mesures de sécurité et de prudence. Aucune vie humaine n'est à déplorer. Mais les dégâts matériels sont importants. Je suis le propriétaire de ce magasin qui fait partie des bâtiments qui ont été incendiés. Le feu aurait pu être maîtrisé, mais jusqu'à présent, il y a toujours de la fumée qui s'échappe des magasins, alors que l'incendie s'est déclaré depuis vendredi dernier. L'accès aux boutiques est encore fermé. La police et les sapeurs-pompiers sont présents sur les lieux. Les propriétaires des boutiques essaient de récupérer ce qui peut l'être encore. Le dégât est important. Les pompiers auraient été alertés plus de 40 minutes après. En sous-effectif et munis d'un seul camion-citerne, ils n'ont pu rien faire. Le temps joue contre eux. Il a fallu l'intervention des renforts de Toujnin, du port, mais également du Xar, pour mettre les flammes hors d'état de nuire. Les autorités sont encore interpellées à agir en amont, pour exiger le respect des normes de sécurité dans la construction, mais également en matière d'entreposage de produits. Au Mali, le camp militaire de Diourra, dans le cercle de Ténékou, a été la cible d'une attaque terroriste ce dimanche. Selon des sources militaires, 16 éléments des forces armées maliennes ont été tués et 8 autres portés disparus. D'autres sources locales avancent un bilan de 17 militaires morts et font état de matériel emporté par les assaillants. La situation dans la localité était tendue toute la journée. Hamoura Diagana.
Selon des sources locales, l'attaque s'est déroulée aux environs de 5 heures du matin. Des individus armés à bord de véhicules ont attaqué le camp militaire. Ils ont procédé d'abord par le lancement des obus. Au total, 4 obus sont tombés dans le camp, a indiqué un témoin dans la localité. Le bilan de l'attaque a été lourd, alors qu'une source militaire parle de 16 morts parmi les militaires maliens. Les assaillants étaient en nombre très suffisant. Après l'attaque, ils se sont retirés, mais la situation reste encore tendue dans la localité de Djoura et ses environs, a-t-on appris de sources locales. La commune de Djoura est située dans le cercle de Tenenkou, au centre du pays, en proie au groupuscule djihadiste depuis plusieurs années. Le préfet du dit cercle avait été enlevé en mai 2018 par des groupes djihadistes avant d'être libéré en février 2019. Cette attaque terroriste intervient au lendemain de deux autres qui ont visé les forces maliennes dans le centre du pays. Hier, dans le cercle de Tenenkou, un véhicule de Fama a sauté sur un engin explosif à 11 km de Diafarabé. Le bilan fait état de 4 soldats blessés. Dans la même journée, des terroristes avaient tendu une embuscade à une mission d'escorte du sous-préfet de Djongani dans le cercle de Koro, toujours dans la région de Mopti. Les militaires maliens ont riposté et neutralisé 3 assaillants. L'acte 18 des Gilets jaunes à Paris a signé hier le retour des violences lors de manifestations. Magasins pillés, restaurants saccagés, kiosques incendiés, plus de 230 personnes ont été interpellées, dont 144 se trouvent en garde à vue. Retour à Mawla Diagana. Les Gilets jaunes voulaient faire du samedi 16 mars un tournant de leur mobilisation avec l'acte 18 qui intervenait à la sortie du grand débat national. Ce sont 32 000 Gilets jaunes qui ont manifesté dans toute la France. Mais dès le début de la journée, de violents heurts se sont produits à Paris avec de nombreux incendies volontaires et des pillages de magasins. Des centaines, voire 1500 casseurs ont saccagé en marge du rassemblement des Gilets jaunes, les Champs-Élysées et les alentours de la célèbre avenue. Plusieurs magasins et commerces ont été mis à sac. Le plus spectaculaire a été le saccage puis l'incendie du célèbre restaurant Le Fouquet's. D'après la préfecture de police, 17 membres des forces de l'ordre ont été blessés ainsi qu'un pompier et 42 manifestants. 237 personnes ont été interpellées dans la capitale. Emmanuel Macron a dû écourter son week-end de ski et promis des décisions fortes en réponse aux dégâts commis sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, partout en France et dans certains endroits à Paris, des manifestations se sont tenues. Il faut le dire d'ailleurs dans le calme, la dignité. Mais sur les Champs-Élysées, ce qui s'est passé, ça ne s'appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, tout avec elle. Et tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. Tous ceux qui étaient là. Et je crois que maintenant, nous devons d'abord en tirer toutes les conséquences et le comprendre, collectivement, et prendre des décisions claires, fermes, pour que ça ne se reproduise plus. En France, toujours, un rassemblement des Algériens de Lorraine a été organisé ce dimanche dans la ville de Nancy. Les manifestants ont exprimé leur opposition au président algérien Abdelaziz Bouteflika. Ils réclament des élections libres en Algérie. Une contestation et une mobilisation anti-Bouteflika qui ne faiblit pas. L'annonce du président algérien de ne pas être candidat à un cinquième mandat n'y change rien. Selon les organisateurs de la manifestation, le président repousse les élections sans donner de nouvelles dates. Il n'est plus dans la conquête, mais dans la prolongation, toujours selon eux. Les forces anti-jihadistes engagées depuis des semaines dans l'offensive contre l'ultime poche du groupe État islamique en Syrie ont repris ce soir leur frappe contre le réduit de Barouz où des milliers de personnes seraient encore retranchées. Soutenues par une coalition internationale anti-État islamique conduite par les États-Unis, les forces démocratiques syriennes tentent de déloger les jihadistes de ce village de la province orientale de Deir ez-Zor, situé non loin de la frontière irakienne. Mais l'offensive a maintes fois été suspendue ou ralentie par l'évacuation de dizaines de milliers de personnes de l'ultime poche jihadiste réduite à un petit campement informel et des tunnels souterrains. Les Néo-Zélandais rendaient hommage ce dimanche aux 50 morts du massacre dans deux mosquées de Christchurch. L'auteur de la tuerie est un extrémiste australien, Brenton Tarrant. Jacinda Ardern, la première ministre, a indiqué qu'elle va changer les lois sur le port d'armes. C'est récidivé.
Hommage néo-zélandais aux victimes du carnage. De nombreux habitants ont déposé des fleurs après les attaques qui ont fait 50 morts. Une liste de ces victimes publiée ce dimanche montrait qu'elles avaient entre 3 à 77 ans. Mon fils et mon neveu ont perdu leur grand frère Haji Nabi dans la fusillade hier à la mosquée, a déploré cette jeune femme. C'est important pour nous de venir ici, leur dire adieu et leur rendre hommage. Ibrahim Abdul Hamid, imam de la mosquée de Linwood, témoigne. À ceux qui ont fait ça, je leur dis que ça n'éteindra pas notre confiance. Nous aimons toujours ce pays, a-t-il indiqué, et nous continuerons d'adorer notre Dieu et de bénir notre foi dans ce pays sans aucun problème. L'auteur présumé de la tuerie, Breton Tarrant, en suprémaciste blanc, a été inculpé pour meurtre. De son côté, le gouvernement promet de revoir la législation sur le port d'armes en Nouvelle-Zélande. Pendant que l'on travaille sur la chaîne d'événements qui ont amené à la détention de ce permis de port d'armes et à la possession de ces armes, je peux vous dire maintenant que nos lois sur les armes à feu vont changer, a déclaré la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le candidat à la présidentielle 2019, Mohamed Oulcheikh Mohamed Ahmed, en réunion avec ses soutiens politiques, une rencontre pour les remercier de leur appui et leur expliquer le partenariat qui devrait les unir. L'incendie du vendredi dernier à El Mina fait des dégâts matériels et financiers importants. Des centaines de tonnes de produits alimentaires ont été emportées par les flammes. Samedi 16 mars 2019, une journée noire pour les commerçants français. Pillage et incendie de magasins, notamment sur la célèbre avenue des Champs-Élysées. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Salle TV.